Tue tout le monde, c'est sous les 100 trophées. On se retrouve aujourd'hui pour la mission faction Seigneur de la route qui se trouve juste ici. Alors ça va être une mission du coup qui va durer 1 heure précisément, environ, un peu moins ou à peine moins. Et du coup ça va être une vidéo qui va être sous deux parties. Ça fait très très longtemps cette vidéo, ça veut dire qu'à la fin de la vidéo vous n'allez pas avoir la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée se fera jeudi. Du coup. Donc là, il y aura marqué 30 minutes de course. Et bien, à partir du moment où il y aura marqué 30 minutes. Et donc la prochaine fois, eh ben, je ferai une vidéo où je vais à ça terminer la course. Alors, comme j'ai dit, quand j'ai fait la course, ça m'a à peu près fait 1 heure approximativement. Donc en vrai, je pense que ça sera bon enjeu pour la terminer. Alors il y a 47 checkpoints, mais je vous assure que 47 checkpoints ça va rien dire, parce qu'on va obtenir presque plus de la moitié du nombre de checkpoints en juste une seule course. Et après il va rester quelques checkpoints par beaucoup, et la distance va être très très longue, mais ça sera. Et du coup bah, on va aller du moins. Bah, moi je pense que ça va durer un petit peu moins d'une heure, ça, 25 minutes, je pense que ça va terminer. On va terminer sur la deuxième partie. Au total, ça prend 55 minutes environ. Ben, ça fait longtemps que je crois que c'est pas retrouvé pour une course de transport en deux parties parce que finalement, j'étais jamais retrouvé depuis la course de transport avec plusieurs parties. Ils vont quand même vite en arrière, c'est pas mal. Après il y a énormément de circulation sur les toits, donc... par rapport à ce problème, malheureusement sur les toits sur YouTube il y a la circulation. C'est un peu embêtant parce que notre monde on n'est pas chanceux. Il faut toujours faire attention. On peut pas vraiment rouler à bonne vitesse. Je vais faire en même temps, hein, parce que vous allez les assurer. Après, contrairement à vous trouvez, les routes sont beaucoup plus larges, donc on peut plus s'exprimer les véhicules un petit peu plus facilement. Un petit peu plus facile. Mais là, on est sur une autoroute avec des barrières de chaque côté. Vous ne pouvez pas se faire de façon de vous actuellement. La course ne sera pas tout le temps sur une autoroute, hein. Il y aura des barrières. Hein. Pour l'instant, on roule, je roule pas, hein, en fait. À partir de maintenant, ça va être un peu mieux. Parce que la route, oui, est un peu plus dégagée, donc c'est plus facile de rouler à plein de vitesse.
normalement la courbe ça va se passer un peu plus comme ça, en ligne droite. En vrai ça va facile hein, comme ça. C'est très bon, mais... Ah, une heure, en vrai une heure c'est pas si long que ça. J'avoue j'avais pas passé 4 heures hein, sur l'entretien. 4 heures et j'ai pas réussi à la fin. Hein. Je crois qu'il fallait gagner la course, sauf non dans le top 3, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, c'est pas gagner la course, je vais pas gagner, parce que quand même la course, c'est un truc, comme dans le premier ou dans le top 3, c'est quand même pas facile. On est plus 4 concurrents, donc c'est vrai que, effectivement, un seul concurrent peut en faire perdre dans la mission, si on veut. C'est vrai qu'il n'y a plus qu'un seul concurrent qui peut vraiment pas faire de la réunion. Non mais c'est l'autoroute qui relie Espagne. On va tout simplement voir sur cette autoroute. Honnêtement c'est trop simple. Fait le tour complet de la carte de jeu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire le tour complet, il faut une heure. Enfin, le tour complet de la carte de jeu, mais non. Donc, après, étant donné qu'on est que sur la vidéo, c'est parce que sur l'autoroute, en fait. Donc, étant donné qu'on va hyper vite hein, sur l'autoroute, hein, bah, finalement, une heure c'est quand même généreux, une heure sur la carte entière. C'est physiquement la course la plus... Elle a réduit la course la plus longue, mais c'est finalement c'est comme une course. Tu vois le sommet de la traverse, tu fais ni à ni à un peu plus de tour. C'est toujours une longueur. C'est impressionnant quand même comme ça. On va dire que c'est un peu juste une course, mais en entier. En guillemets, c'est un peu tout ça. C'est un peu finalement le speed tour, mais on le fait en entier. Du coup, on le fait sur deux parties, pour vraiment c'est bon. Bon, je sais pas si on passe dans Miami. Pour vraiment penser New York, parce que je sais qu'on passe dans sa plasticité, donc c'est vrai que c'est vraiment dans... C'est vraiment ça quand même. Les concurrents, là, je les ai déjà plus jamais. Parce qu'honnêtement, j'ai tellement envie. Pas ces deux-là, honnêtement, je les ai plus. On est toujours sur l'autoroute, hein, c'est plus long des fois. Mais... C'est des mecs qui vont en vite, et même s'ils veulent me retarder, ils ne sont pas. Ah, il y a 21 secondes d'avance. C'est super heureux. C'est quand même marrant quand même que j'ai 21 secondes d'avance, c'était 21 secondes derrière moi. C'était à 18 ou 20 secondes, donc en fait, ils pourront enfin me rattraper. Donc à partir de maintenant, c'est de la balle. Bon, ils pourront peut-être me rattraper sur le long terme. Hein. Parce qu'il y a un endroit, il y a quand même beaucoup de lacets. Mais moi, je pense que je peux arriver à 1 minute sur l'avance. Hein. Là, je suis à 24 secondes. Ouais. Enfin, je veux dire, vraiment, dans pas longtemps, je vais leur mettre 1 minute d'avance. Hein. Pas 1 minute comme ça. Hein. En vrai les checkpoints sont toujours aussi près. Et les checkpoints qui seront super près, un certain checkpoint, hein, parce qu'il y en a un qui va durer 26 km, à peu près. Et c'est le seul. Hein, tous les checkpoints qu'ils vont avoir, ils ne vont pas dépasser les
12 km ou à peu près en termes de distance. Il n'y a vraiment qu'un seul qui est de 26. Moi là en fait on va vraiment dans la direction de Nîmes. Si la vie que Nîmes c'est vraiment dans cette direction. Ah, comme je dis, hein, je pense qu'on va faire Miami, New York, deux fois Chicago, ça peut se dire. Enfin, il me semble que vraiment on va faire tout ça. Hein. Ça m'étonne, en vrai, ça m'étonne de moi-même que la course dure que une heure pour réaliser tout ça. Parce que vraiment, à la distance, c'est ça. Hein. Après, c'est vrai que typiquement, quand je fais la vidéo de Los Angeles à Miami, il y a une demi-heure. Pour faire Los Angeles Miami. Donc après du coup c'est ça en fait, on a besoin de venir pour faire Los Angeles Miami. Donc ça veut dire que du coup faire Miami et Los Angeles dans l'autre sens, ça finit bien. Je pense pas mettre une demi-heure pour aller à Miami parce que je vais quand même super vite. Aussi c'est ça je crois que c'est très rare d'atteindre les 33 l'avance qu'on a par rapport à nos concurrents je sais pas qu'on avait autant de temps comment ça. Je pense que 1 minute d'avance on les prend. Hein. Alors, je roule vraiment très très vite comme ça plus on vite qu'on arrivera à une dernière rapidement. Du moins dans cette partie du jour vous n'arriverez pas. On n'arrivera pas à la dernière. Et dans la prochaine vidéo par contre on est... Ça fait comme si on faisait une balade hein. Et sur le coup une énorme balade. Ça donne qu'on a beaucoup d'avance. On va dire que bon, ça te permet que si jamais j'ai un accident ou quelque chose, je ne vais pas avoir de soucis. C'est quand même pas mal. Voilà, comme je disais, les lacets vont vraiment se passer uniquement sur les courses. C'est presque parce qu'en effet, il n'y aura pas un moment où ça ne sera pas forcément le faire. Mais... Donc, par contre, là, un retour sur piste. Je vais attendre de la piste et de la piste. On ne peut pas trop que ça reste dans mon jeu parce que là ils vont quand même finir par me rattraper si j'en ai un. Donc j'ai pas 36 secondes là. Non en vrai non ça va. Ils vont pas me rattraper comme ça mais... Ah bah je suis encore là. Pas fait d'accident mais maintenant j'en fais toujours le plus bien. Je suis un peu moins concentré dans la route. Il y a aussi beaucoup de... La route aussi elle est plus concentrée, ça peut marcher. C'est juste
que je suis à haute vitesse. Il y a beaucoup de dégâts de la course, hein, c'est un peu compliqué. Parce que voilà, comme je l'ai dit, le dégâts de la course c'est un peu compliqué, puis après... Oh là, il m'a rattrapé, hein, le dégâts, bon, hein. Là, j'étais à 36 secondes, je suis passé à 20 secondes. Là, je ne peux pas trop faire d'erreur dans ça, parce que... Ils peuvent quand même me rattraper sur les longs, quand même. Donc, ouais. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Parce que... Donc là, on est arrivé à... À Dallas. On est comme ça là, c'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. Et quand je vais vraiment me rattraper maintenant, quand je vais le faire, il est même plus utile pour faire le temps. Je crois que je vais accélérer vraiment vite parce que je sais qu'elles sont pas là, elles sont pas là. On a un mec qui m'a trouvé dans le rush, je pense. Je vois que tu es sur un dessin de l'air, c'est pas bon. On va quand même bien rattraper quand même. J'ai pas grand chose pour faire quand même. Quand même. Là, je vais vous donner un petit peu de distance. Je vais remonter sa couronne. Là, c'est vraiment la ligne rapide ici. On connaît bien. Là, on est bientôt dans le nid, là on est dans le bayou. Hein. Donc le mien c'est juste à côté du bayou. Donc on verrait qu'on va voir comment on est. Là,
porte. Là, je pose à 24 secondes. Ah ouais, donc voilà. J'aime bien là, en fait. Je sais pas comment j'ai répondu à la maison. Non, mais à la nouvelle journée. En fait, je vais regagner l'avance. Quels sont les réseaux dans la vie d'aller voir l'enfant? C'est facile. Ce que je vois, je sais pas pourquoi. Les autres sont en plus un lampadaire, mais par rapport à vos deux, si je trouve qu'en tout cas un lampadaire, ça ne sert à rien. Ça. Donc, si on fait deux, ça obtient le fait qu'on en fait un. Enfin, ça commence à ne pas rien. C'est pas mal. C'est un fait que. C'est le fait. Je les bruits, c'est un peu moins sûr. Dès que je touche quelque chose, Et non, il y a 65 km. Je ne sais pas comment je vais, mais non, il y a 65 km. C'est le quatrième. Hein. Le quatrième concurrent. Et voilà, bah, donc ça, il ne pourra jamais me rattraper. En fait, tout simplement, les concurrents, ils peuvent me rattraper maintenant. Ah, il y a beaucoup trop de secondes d'avance entre moi et ça fait vraiment rien, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je crois que je me suis pas longtemps à revenir à la tête. En fait, quand Miami, on ne rentre pas forcément dans Miami. Là, on ne va pas faire du tout. On va dire Miami, en fait, on va pas rentrer dans Miami.
sur le script pour X, enfin le premier script. Le fait, il va commencer une portion, hein, je pense que le précisément ici, l'autre côté bas. Donc là, on y rentre par contre là. On a quand même fait le générique qui est mis, mais on va y aller. Pas à 30 minutes, hein. Donc ouais, je pense qu'elle va prendre une heure, on va pas le faire. C'est peut-être un peu moins. Voilà, on est quand même 5 minutes, on est aussi quand même. Bon, on va se taper parce qu'on a pas le temps. C'est le GPS hein, de venir pour ça de là. Ah oui, alors quand je vais partir ici, le GPS a un bug, il faut pas le quitter. Bah, seul sur l'écran, ça touche, mais sur le lit, ça touche. Alors au bout d'un moment, il va revenir, évidemment. Mais dans certains temps. Attends qu'on touche le prochain checkpoint, mais non. Du coup, ici il y a un bug avec le GPS, du coup, c'est trop. Le GPS il est un petit peu. Je pense que c'est très important. C'est uniquement pour cette partie là. Donc, ce checkpoint, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'après, on va me souvenir, après, on va réapparaître. Il reste plus que 20 secondes.
Le coup sera la première partie. On est presque vraiment à la fin de la scène. Enfin, maintenant, ça va faire 30 minutes du coup de course hein, déjà. Donc, on se retrouve à jeudi pour la suite et dernière partie. À jeudi, c'était Souris sans trophée.